Salut famille, comment vous allez? Je sais que vous allez très très bien. Moi en tout cas, je vais super bien. Vous le constatez, même si ma mine et tout, c'est la forme. Je pète la forme tranquille quoi. Voilà. Bon, avant de parler du sujet de la vidéo, vous connaissez déjà le sujet de la vidéo, mais je vais déjà jouer un son de mon groupe. Voilà. Vous aurez bientôt le son audio sur ma chaîne YouTube. Vous allez vraiment l'apprécier. Et puis, ne vous gênez pas de partager ça au maximum. Voilà. On est en train de préparer le clip, donc aidez-nous. C'est en fonction de comment vous allez vous manifester sur l'audio que on va se presser de finir et terminer le clip, quoi. En tout cas, c'est un son chrétien au calme, vraiment, vraiment intéressant. Bon, donc je vais vous faire jouer le son et tout. Voilà. Ouais, c'est un peu ça le son. Donc avant de parler même du jeu de la vidéo, comme je vous ai dit, en tout cas, on a de très bons retours avec Multiservice Côte d'Ivoire, voilà l'entreprise très crédible pour vous fournir de très très beaux véhicules en très bon état. Voilà, et au moindre coût. Voilà, on a déjà de bons retours, c'est déjà bon. Nous vous remercions. Continuez, n'hésitez pas pour ceux qui hésitent encore. Mieux vaut en profiter maintenant avant que les enchères montent, parce que quand la demande est forte, les enchères grimpent toujours. Voilà, donc vraiment merci déjà pour l'encouragement, c'est déjà bon. Bref, cette vidéo là, c'est pour parler de Trace Africa et Ivoire TV Music. Voilà, deux chaînes que moi j'adore, 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 j'adore. C'est vrai que moi j'étais très fan au départ de Trace Africa, Trace TV à la base. Et ils ont pensé à l'Afrique, ils ont créé une chaîne typiquement africaine, ce que je salue au passage. Mais il y a Ivoire TV Music qui est sortie de nulle part et puis bon, elle a commencé à coincer sérieusement Trace Africa. Waouh! C'est un clash très silencieux qui se passe. Hein. Je ne sais pas si vous l'assistez avec moi, mais franchement, un beau clash sans bruit, mais chacun se débat à sa manière. On a d'un côté le professionnalisme et l'expérience avec Trace Africa Music. Et on a d'un autre côté avec Ivoire TV Music, un très bon contenu, très attractif aussi. Bon, comment faire son choix? Je ne vous dirai pas de faire un choix, je vous dirai simplement de regarder les deux chaînes. Voilà. Pour ne pas s'enlacer des programmes de l'une d'elles, l'une d'entre elles en fait. Voilà. Et Ivoire Musique à la base, c'est quoi? C'est une plateforme audiovisuelle qui fait la promotion des artistes à la base et qui fait un clin d'œil aux web marketeurs, qui fait un clin d'œil à ses fans à travers les dédicaces et tout. En tout cas, un contenu vraiment, 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 vraiment très attractif. Voilà. Série web, télé, interview des stars. Des playlists, franchement, Ivoire TV Musique, ils offrent un très très bon contenu. Mais dans le même temps, il y a des insuffisances, il y a des imperfections, ce que je peux tolérer parce que c'est, on va dire, c'est un début. Il n'y a pas encore vraiment vraiment bon, un an, comme on veut dire, une très bonne année que vous avez commencé. Donc c'est des choses qu'on peut tolérer. Et souvent même, on voyait souvent les petits logos, des traces FM passer dans vos spots et tout, ce qu'on tolère. Mais voilà ce que moi je dirais avec Ivoire TV Musique. Ivoire TV Musique, c'est vrai que vous faites la promotion des nouveaux talents, surtout des nouveaux talents, c'est ce que je vous dis merci, mais vous ne laissez jamais terminer vos clips, ce que j'ai jamais compris en fait. Voilà, vous nous laissez toujours notre soif, ça je n'apprécie vraiment, 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 vraiment pas. Voilà, revoyez ce côté-là et puis essayez de mettre encore plus de professionnalisme. Voyez, on sent que c'est un début donc. C'est un peu pêle-mêle, mais ça gère. Franchement, big up à vous. Big up à vous. Ce que vous faites pour ces nouveaux talents et en quelque sorte pour tout le monde en fait. Parce que vous faites clin d'œil avec tout le monde. Tout ce qui concerne le showbiz, vous mettez au parfum de tout le monde. Tout ce qui se passe sur la toile. Voilà. Maintenant, Trace Africa. Trace Africa, bon, on va dire c'est l'expérience. Hein. C'est des durs. C'est des durs. Mais il faut dire que vraiment, ces derniers temps-là en Afrique ici, Ivoire TV Musique en train de vraiment les coincer. Ils sont vraiment, vraiment les coincer. Ils ont toujours leur audience. Hein. Voilà, parce que c'est quand même Trace Africa, c'est pas n'importe qui. Mais hein, Trace Africa aussi, bon, ils sont tellement compliqués dans leur histoire de dénicher des clips vidéo. Il faut que ce soit à la hauteur, à un tel niveau de résolution. Franchement, c'est ce qui fait un peu que, bon, là-bas, on va dire c'est vraiment, vraiment select, quoi. Même si souvent, ils font des clins d'œil à des nouveaux talents, mais là-bas, c'est vraiment, vraiment select. Moi, je veux juste simplement demander dans cette vidéo-là à Trace Africa, qui est un poulain de Trace Musique, de vraiment avoir un peu de souplesse, quoi, pour les nouveaux talents. Voilà, pour les nouveaux talents. Essayez de faire passer tout le monde. Vous êtes des chefs, vous avez beaucoup d'expérience. À la limite, vous ne cherchez pas de clients, mais franchement, il serait bien de donner un coup de pouce à tout le monde. Donc, c'était ma petite vidéo. Ciao, ciao à tous.